voilà à Puy-Moisson. Un plein d'essence, un café et c'est parti pour cette belle virée dans les Alpes de Haute-Provence. Après un bref passage par Saint-Jurs, nous attaquons la célèbre D17, point de départ de cette belle aventure off-road. Aujourd'hui, nous sommes trois à rouler. Alex et sa BMW GS800, Franck et sa Ténéré 700 et moi avec ma KTM 790. Sortie en perspective, le beau temps est au rendez-vous malgré la température un peu fraîche, 6 degrés ce matin. Sur l'itinéraire, à gauche ou à droite pour rejoindre Majastre. Ce sont les derniers jours de l'hiver, alors en montant, c'est une alternance de plaques de glace et de plaques de neige pour notre plus grand bonheur.
approche. Le village du Poil, perdu dans la colline, sera le lieu de notre pause pique-nique. C'est vrai ? C'est fait. C'est juste que, en fait, je sais pourquoi t'avances pas. Je me suis décalé et j'ai pris un ravin, je suis parti. Putain, t'es pas fait mal ? Le village du Poil est un village abandonné situé à 1250 mètres d'altitude dans le massif de Mont-Denier. Et là nous avons Alex en cours de carrosserie. Pauvre BM. Pourquoi tu lui fais des trucs comme ça ? Pas gentil quand même. Après cette petite pause déjeuner et mécanique, nous reprenons la piste en direction de la coulée de Cabasse. Nous sommes maintenant plus très loin du sommet. Encore quelques kilomètres de plaisir et il va falloir songer à redescendre vers Blieux.
Après avoir bien joué dans la neige, il est maintenant temps de rentrer. Couvre-feu oblige. Voilà, c'était une belle journée. Nous allons redescendre tranquillement sur Bilieux, prendre les gorges du Verdon et revenir dans le Var. À bientôt.